Quand l'équipe du Parc national du Mont-Mégantic a mis sur pied le projet de lutte contre la pollution lumineuse au milieu des années 2000, on n'avait vraiment pas idée jusqu'où l'aventure allait nous mener. Et aujourd'hui, plusieurs années plus tard, on réalise à quel point on a développé une expertise de calibre international en termes de protection du ciel étoilé et des écosystèmes nocturnes. On reçoit des appels d'un peu partout dans le monde, du Canada, des États-Unis, de l'Europe, l'Asie, des gens qui nous demandent conseils parce qu'ils veulent développer le même genre de projet que nous. L'expertise qu'on a développée est une expertise d'abord, évidemment, scientifique, mais elle est aussi une expertise technique en termes d'éclairage, une expertise faunique en termes d'impact sur les animaux, sur les écosystèmes. Il a fallu savoir travailler en équipe avec toute la région autour de nous, le milieu politique, le milieu professionnel, le milieu commercial aussi. C'est très stimulant, évidemment, de savoir qu'on est des pionniers à l'échelle internationale comme ça, et on continue à aller de l'avant. On est très fiers d'avoir créé le premier parc national des étoiles dans le monde.